Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour, oui, une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un spécial Get With Me Look Fête de fin d'année. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je ne sais combien de fois j'ai pu recommencer l'intro avec l'abréviation Get With Me. Je n'arrivais pas du tout à le dire et encore maintenant. Donc ceci, vous l'aurez juste à la fin en bêtisier parce que je sais que vous aimez le bêtisier, les bêtisiers. Et j'ai décidé dans cette vidéo vous créer donc deux looks spéciales fêtes de fin d'année. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira puisque je vais créer une coiffure, un make-up et une tenue qui est totalement dans mon univers, c'est ce qui me plaît. J'espère en tout cas que ça pourra vous donner peut-être une idée pour les fêtes de fin d'année. Dans cette vidéo, beaucoup de séquences seront en accéléré, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un contenu trop long pour avoir un maximum de personnes qui viendront la regarder, et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, n'hésitez pas à partager, et si tu viens de tomber sur cette vidéo et si tu la regardes jusqu'à la fin et qu'elle t'a plu et que tu as envie d'en voir d'autres, eh bien n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et de venir activer la petite cloche. Sur ce, je te laisse avec la suite et on va passer donc au look numéro 1. Pour le look numéro 1, je pense que vous avez pu le remarquer au niveau des cheveux. J'ai tout simplement fait un brushing et je me suis passé le lisseur. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis 3 ans maintenant et ça me fait très très bizarre de me voir ainsi parce que voilà, c'est très 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 bizarre. C'est quelque chose que je n'ai plus l'habitude de faire et voilà, ça me plaît pas trop. Je préfère mes cheveux un peu disciplinés, un petit peu frisés, mais c'est pour créer le look numéro 1. C'est pour que vous puissiez voir autre chose que vous voyez tout le temps, mais je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à le remarquer. Donc tout ça, bien sûr, vous verrez comment j'ai fait mon brushing, comment j'ai passé mes plaques, les produits que j'ai passé en accéléré, et vous aurez donc le make-up suivant. Juste avant de vous laisser avec la suite, j'ai déjà fait donc ce matin mon teint. Donc au niveau du teint, j'ai mis donc le petit fond de teint de chez Clinique en teinte 08, le Silk Canva. J'ai un léger contouring avec le bronzer de Oula de la marque Benefit que j'avais vu dans la Glossy Box en petit format voyage, qui est super génial pour la quantité. Il y en a largement assez, c'est un 3 grammes et c'est le Oula tout simplement. Voilà. Au niveau de la lighter, j'ai ressorti le Marilou Manizer de The Balm qui est juste de folie. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et c'était mon chouchou il y a bien longtemps, et voilà, il est indémodable. Donc je l'ai appliqué juste ici, je pense qu'on peut le voir au bout du nez. Et en blush, j'ai utilisé donc le NARS qui est le Orgasme. Il est juste magnifique, voilà. Donc c'est un joli rose comme ceci qu'on aime beaucoup. Voilà, et au niveau des sourcils, j'ai pas pris les produits, j'ai appliqué le crayon sourcils de chez Benefit en teinte 02 et le fixateur par-dessus de chez Benefit. Maintenant, je vais vous laisser avec le brushing, comment j'ai fait pour avoir ceci, et je vous laisse avec le make-up. Thank you.
because